Bonjour, donc je m'appelle Mathieu Vicard, je suis l'un des deux dirigeants de l'agence Adrénaline. Adrénaline, c'est une agence de communication basée à Lille, dont la spécialité, l'expertise est ce qu'on appelle le marketing opérationnel, la communication opérationnelle. Donc on intervient sur la conception et la mise en œuvre de dispositifs de communication. Oui, il y a un gros phénomène de remplacement sur l'affichage. Les investissements sont assez importants. L'affichage, ça reste très fort parce que c'est un média qu'on consomme les uns les autres en situation de mobilité. Or, on bouge pour aller travailler, pour aller étudier, pour sortir, pour aller faire ses courses. Et donc, ça reste un moyen de capter un certain nombre de cibles, de toucher un certain nombre de cibles de manière très forte. Voilà. Des cibles qu'on ne peut pas forcément toucher autrement, en tout cas pas de manière massive. Alors moi je crois assez peu à ça. Je pense que typiquement un écran qui est dans la rue, dans un centre commercial, dans une gare, c'est quelque chose que plusieurs personnes regardent. Vous n'allez pas le personnaliser par rapport à une personne. Vous allez peut-être personnaliser le message par rapport à une heure ou par rapport à une heure de diffusion, parce que vous savez que dans un centre commercial, quand vous êtes le soir, en général c'est plutôt des gens qui vont au cinéma. Donc vous savez que la cible est un petit peu différente. Donc là ça fait sens de personnaliser en fonction de l'heure et de pas forcément diffuser les mêmes publicités en fonction de l'heure. Publicité personnalisée en fonction de la personne, ça fait pas de sens quand vous êtes sur un écran qui est un écran partagé. Beaucoup de consommateurs en Europe qui utilisent des adblockers, c'est une conséquence directe du fait qu'il y a un certain nombre de formats qui sont jugés comme trop intrusifs par les consommateurs. Donc il faut trouver le bon équilibre. Ça se joue différemment quand vous êtes dans l'espace public ou quand vous êtes sur Internet. Voilà, mais pour que la publicité soit visible et pour qu'elle fonctionne, il faut aussi qu'il n'y en ait pas partout. On est dans un monde où il y a besoin de publicité. Alors après, en tant que personne, on trouve ça bien, on trouve ça pas bien. Je suis pas sûr que dans l'absolu, là en France, il y ait trop de publicité affichage. Voilà, moi c'est absolument pas du tout ma conviction. Hey, you made me up, you made me up, believe.